question. Jakobsen, Yuan, il y en a d'autres. Et à droite, à droite, à gauche du podium, mesdames et messieurs, un coureur qui s'est illustré, qui a levé les bras, a dès la toute première étape dans les rues de Copenhague, et s'est offert le contre-la-montre individuel, le premier à avoir porté le maillot jaune. On a devant nous au public de la Défense Arena, c'est Yves Lampaert. Au côté du premier maillot jaune du Tour de France, il avait payé sur les routes du Tour du Pays Basque, lui aussi vient du Danemark, c'est Mikkel Florinich au mauvais. Un petit peu plus loin, il représente l'Italie à 23 ans, première participation au Tour de France, vainqueur de la Drôme classique, il a gagné l'étape sur le Tour de Catalogne, Andrea Bagioli. Il a joué le premier rang dans l'étape d'hier, le vice-champion d'Italie qui avait terminé 12e du Tour de France, Mattia Cattaneo. Il porte un maillot distinctif, mesdames et messieurs, celui de champion national de France sur route, il est devant vous, c'est Florian Sénéchal. Sur les Champs-Élysées pour sa première participation au Tour de France, il a déjà remporté une étape. C'était à Nîmes au Danemark, l'un des hommes les plus rapides du monde, Fabio Jakobsen. On a accueilli Pierre-Emmy Wagne il y a quelques minutes.